Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance d'animation libre. On peut recevoir maintenant un invité sur Messenger et qui veut participer pour poser des questions à notre invité sur Skype ou autre, si c'est possible. Donc, bienvenue à toutes vos contributions. Je vous laisse un moment et je reviens. Bonsoir, good morning, du world. On danse ce qu'on peut, donc je vais danser un acte de solidarité avec l'artiste le plus nécessiteux au monde. Comment? Donc, il y a cet album, comme vous pouvez le voir, c'est d'Elvis Presley. Pour les amateurs d'Elvis Presley, pour les collectionneurs, c'est un cadeau, bien sûr, qui est authentique. Donc, je lance ce défi pour de bienfaisance et comment j'ai imaginé que ça va passer? Je vais vous expliquer. Comme signe de solidarité, la chaîne mit
en bienfaisant ces 45 Davis Pelissier de Klein. Pour aider un artiste nécessiteux au monde, quel que soit, et il y aura pour les artistes qui sont en nécessité à ce moment d'envoyer, et la chaîne va partager avec le public les cas. Donc, d'après vous, vous allez choisir un artiste, quelle que soit sa nation, quel que soit son pays. Et celui qui veut avoir cet album-là, Davis Pelissier, n'a qu'à estimer le montant. Et l'envoyer automatiquement à la personne ou à son l'ambassade de ce pays que le public va choisir, l'artiste le plus nécessiteux au monde. Je vais parler en arabe. إن القناة في إطار التضامن مع الفنانين عبر العالم فهذا التحدي فهو للأشخاص الذين يريدون فعل الخير فهذا الألبوم إلفيس بريسلي اللي هو دو دو كلاي فهو معروض لمن يريد فعل الخير سنقوم حسب ما يصلنا من طلبات الفنانين وإذا قلت الفنانين مبدعين عبر العالم يعني كتاب صح ممثلين مغنيين شعراء فنانين تشكيليين يعني المبدع بمختلف أنواعه فما على فاعل الخير سوى أن يقيم المبلغ الذي يريده سنقوم بعرض الحالات إن توصلنا بالطبع بطلبات من قبل الفنانين فهو نداء إلى الفنانين عبر العالم من هو في أمس الحاجة فالقناة تضع رهن إشارة فاعل الخير وتضع رهن إشارة الفنان هذا على الفنان أن يرسل للقناة فيديو وسنقوم بعرض هذه الفيديوهات من مختلف العالم وعلى الجمهور أن يختار ليست القناة أن تختار فهو واجب إنساني نحو مبدع العالم فسأترككم مع هذا الفاصل وسأعود بالطبع كان مبرمجا أن نستضيف مبدعة في الميدان الإنساني ولكن لأنها متعبة بالطبع تعمل من بعيد يعني تلت حافاي لهذا لا بأس فالآن هي هو تنشيط حر لمن يريد أن يمر فأهلا وهناك دائما شكرا سيمو كيما دي برافو ميرسي بوكو هناك دائما متسع للجميع فلمن يريد أن يحل ضيفا أهلا به ولمن حتى حينما يكون على المباشر لمن يريد أن يسأله عن طريق سكايب فأهلا لأن لا يمكن أن نستقبل الضيوف عن طريق الماسنجر فالتطبيقات لا يمكن أن تستعملها في نفس الآن مرتين فهذا جاهدت القناة لتستقبل في نفس الوقت اثنان سأعود أشرح بالفرنسية ماذا قلت. Bienvenue à tout qui veut passer, bien sûr,
on a pris plusieurs contacts avec différents artistes à travers le monde. On attend toujours qui veut passer bienvenue et la nouvelle qu'on s'authentifie toujours, toujours pour donner. Et maintenant, on est apte pour recevoir en même temps celui qui veut passer en live et aussi son interlocuteur s'il veut pas toujours en live, les deux à la fois, le duplex automatiquement. Puisqu'on ne peut pas travailler avec une seule application deux fois, donc le Skype pour l'inviter, si c'est possible, et le ou les deux, ça dépend de l'alternance entre l'invité et son interlocuteur, soit artiste, soit au domaine de l'humanité. Donc, bienvenue à tous. Toujours le rappel que la chaîne a fait comme signe de solidarité. Il a mis cet album d'Elvis Presley, il est authentique. Regardez, il est authentique automatiquement. Pour bienfaisant, celui qui veut soit garder l'anonymat, soit de toute façon appel à tout artiste, créateur, nécessiteur à travers le monde d'envoyer sa demande. On va la diffuser, la rediffuser pour le public. C'est le public qui va choisir qui est l'artiste qui est le plus nécessiteur à travers le monde. Et c'est comme ça, soit que le bienfaisant envoie directement à son ambassade, je parle tout le monde, dans tout, l'Amérique latine, l'Australie, le monde, la planète, soit le bienfaisant, et tout sera en transparence. La chaîne ne veut pas se mêler dans cette transition, donc, mais promis, l'artiste qui est choisi avec, par le public sera mentionné et automatiquement après que le bienfaisant révèle, il sera envoyé à l'ambassade de l'artiste qui sera chargé de renvoyer le disque ou le 45 tours au bienfaisant. C'est comme ça, pour signe transparence, la chaîne veut rester loin, même il appartient à la chaîne, mais dès qu'il y aura ça, la chaîne n'a aucun suivi pour ça. Elle sera envoyée automatiquement, recommandée à l'ambassade de cet acte artiste, quel que soit. Donc bienvenue, et je vous laisse un peu avec la musique. C'est la création du jour, c'est comme ça. Bienvenue, on danse un peu. Thank you.
Mes chers, pendant un moment, c'est comme ça, mes chers, l'animation est ouverte pour toute personne qui veut transmettre un message de solidarité, un message d'amour au monde. Et pour la chaîne, ils sont en difficulté toujours, même les moyens qui sont trop limités, ainsi que le personnel. Où est le personnel? Tout est absent. Oui, c'est comme ça la chaîne. Donc, bienvenue à tous et à rappeler que la chaîne a lancé un défi de bienfaisance à travers le monde. Donc, ce 45 tours authentiques d'Elvis Presley de Clyde, pour la bienfaisance, c'est pour un artiste le plus nécessité au monde. Si on dit le monde, c'est toute la planète. Appel à tout artiste qui est en nécessité à ce moment de nous envoyer une demande qui sera bien sûr transmise et rediffusée, toutes les demandes, et c'est le public qui choisira. Et lorsque le public choisira, donc automatiquement, s'il y a un bienfaisant, celui qui veut faire de la bienfaisance est amateur d'Elvis Presley et veut se procurer de cet album, c'est pas du marketing, non, mais dès qu'on aura l'artiste et on aura le bienfaisant, automatiquement, il sera envoyé à l'ambassade de l'artiste qui est choisi par vous, par recommandé, et on va montrer tout par transparence, et comme ça la transition se passera entre le bienfaisant et l'ambassade du pays de l'artiste, quel que soit son pays. Bienvenue, chers créateurs, artistes, créateurs, écrivains, tous les créateurs en nécessité. C'est un signe d'humanisme. C'est ça qu'on peut donner à ce moment, plus de cette animation, plus de la musique qu'on prépare, le jeu même parfois. On essaie de donner. Donc je vous laisse avec la musique et on revient.
bienvenue à tous. Super. Je souhaite qu'il y aura des participants. On est une chaîne d'humanisme. Soyez les bienvenus dans votre chaîne. Pour mes amis anglophones ou autres, il y a la bande qui passe en anglais. J'espère que je n'ai pas commis des erreurs. Automatiquement, on donne ce qu'on peut. Donc, bienvenue à tous qui veulent participer. Tout simplement pour ce soir, il n'y a pas d'invité du jour, mais il y a une animation libre, ouverte. Vous entendez entre temps la musique que j'ai fait ce jour. Pour ne pas avoir de complications avec le droit d'auteur, mais la chaîne, il annonce à tous les artistes du monde, le plus nécessiteux, on cherche un artiste le plus nécessiteux à travers le monde. L'opération de solidarité se fera comme ça. La chaîne donnera pour comme signe de solidarité ce 45 tours d'Elvis Presley. Et il y aura, s'il y a un bienfaisant qui contacte la chaîne, s'il y a aussi un artiste nécessiteux à travers le monde, que la chaîne, que vous, on va diffuser les cas, et c'est le public qui choisira l'artiste le plus nécessiteux au monde. Donc, lorsqu'on aura l'artiste le plus nécessiteux et on aura le bienfaisant, la chaîne va envoyer par voie postale à l'ambassade de l'artiste ce 45 tours. C'est comme ça, le bienfaisant envoyera la somme qu'il déclare automatiquement et la chaîne sera la transparence, parce que le domaine, c'est le domaine du humanisme. La chaîne veut être loin de tout ça, mais c'est comme si de solidarité, et c'est comme ça, c'est entre bienfaisants et entre l'ambassade de l'artiste qui sera choisi. Et si on dit artiste, c'est créateur à tout domaine, l'écriture, tout. À vous, chers artistes, que vous êtes en nécessité de nous envoyer vos cas, on va le retransmettre au public. Si vous voulez, mais pas pour, non, l'anonymat, non, parce qu'on ne veut pas quelque chose qui n'est pas clair, qu'il n'y a pas de transparence. Donc, c'est comme ça, la condition d'envoyer vos vidéos comme demande et votre cas de nécessité, le degré de nécessité. C'est comme ça, le public va choisir l'artiste qui est le plus nécessiteux à travers le monde, soit d'Amérique latine, soit de l'Amérique, soit du Canada, soit de l'Australie, soit de l'Asie, soit de l'Europe, soit de l'Afrique, partout au monde, quelle que soit sa nation. C'est comme ça, comme signe de solidarité. Je vais passer le message en arabe. Il a coulé le SDK, le canal fait état de Tadamon, il n'a toujours pas. والقناة اليوم فهي تعلن على أي فنان عبر العالم هو في أمس الحاجة أن يبعث طلبه عبر فيديو أو وستقوم القناة بعرض طلبات التي توصلت بها بكل شفافية وعلى الجمهور أن يختار من هو الفنان الذي هو في أمس الحاجة وإذا قلنا فنان فكل مبدع يعني كل مبدع لا في الكتابة ولا في
المسرح ولا في اي الميادين. فهذا تحدي الانسان قبل كل شيء. وحينما نقوم باختيار او الجمهور يختار من هو الفنان او المبدع الاكثر الامس حاجه، فعلى المحسن اي محسن ان يقوم الثمن. فالقناة لا دخل لها في هذا الجانب. وحينما نحصل على المحسن ونحصل على الفنان، سنقوم ببعث، القناة ستقوم ببعث هذا 45 الذي هو لإلفيس بريسلي، لعشاق إلفيس بريسلي ولعشاق الخير كذلك في الخير. ستقوم بإرسال هذا 45 تور دورة كما إلى قنصلية، إلى سفارة المعنية بالأمر أي الفنان. وبالتالي فاعل الخير يقوم بإرسال نقود إلى السفارة، وهي ستقوم بإرسال له الخمسة. لهذا القناة ستبقى بعيدة من كل الشبهات، ليس هناك مجال للتستر على الفنان الذي يريد أن يشارك أو أنه في أمس الحاجة أن يبعث بالفيديو. والقناة بكل شفافية ستعود بث عن جمهور. فهذه هي قناة الدهاش، قناة الفنانين المبدعين وقناة الإنسان قبل كل شيء. Faire connaître, on essaie toujours de rentrer en contact avec plusieurs artistes à travers le monde, avec plusieurs créateurs. Donc on attend toujours qui est prêt, bienvenu. On attend toujours nos invités du jour. Et la chaîne elle est à votre disposition. On peut diffuser tant qu'on peut. C'est comme ça, mais pas ce qu'on veut. Toujours on prend en considération le choix du public. Donc n'hésitez pas à me faire partie de vos remarques, de vos suggestions et de vos interventions. Bienvenue à tout le monde, la chaîne est la vôtre, comme on le dit toujours. Bienvenue à tout critique. Le cœur est large pour oui. Alors on vous attend et on vous laisse avec cette musique.
Et un petit sourire, si on peut transmettre un sourire au monde qui nous suit, bien sûr. Et automatiquement, si le confinement. Il y a un mec qui travaille dans un lieu où il n'y a pas de nom, seulement les matricules. Et le premier jour du confinement, sa femme s'est réveillée. Oh bonjour, Jobert. Il a dit, mais c'est quoi cette Jobert-là? Moi, c'est Minassan. Il a dit, non, moi chérie, c'est votre nom, Jobert. Il a dit, oh nom de Dieu, j'ai cru que c'était mon alias. Parce qu'il était, il a pris l'habitude de se faire appeler par un chiffre. Mes chers, toujours bienvenue à vos questions, bienvenue à votre participation. La chaîne est la vôtre. Automatiquement, je vous laisse toujours avec la musique. En attendant, je vais changer un peu, je crois. J'attends toujours interventions, toujours au domaine de la solidarité, je lance l'appel à tout artiste à travers le monde qui est en ce moment en grande nécessité de le faire par une vidéo qui sera un appel qui sera diffusé automatiquement sur la chaîne et par transparence. S'il y a un bienfaisant, il estime le montant et c'est comme ça on peut envoyer automatiquement c'est le public qui devra choisir l'artiste qui est le plus nécessiteux et après ça s'il y a un bienfaisant qui déclare et déclare la somme et on va envoyer ce 45 tours qui est de Elvis Presley pour les amateurs d'Elvis Presley et pour ceux qui veulent faire du bien, donc il sera envoyé à l'ambassade de cet artiste que vous allez vous choisir et c'est comme ça la chaîne va être loin, bienvenue par transparence, on doit connaître l'artiste, on doit connaître aussi le bienfaisant, on doit le connaître, c'est comme ça, s'il veut garder l'anonymat, c'est son truc, de toute façon, c'est pour la transparence et pour être aussi loin de
tout soupçon, on est une chaîne pour l'humanité, pour la création. Donc, bienvenue à tout artiste, la chaîne est la vôtre.
Thank you.
Thank you.